C'est du vent offshore établi ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est variable et frais. La température extérieure est à 13 degrés, celle de l'eau est à 16 degrés. La marée est en train de finir de monter. Le plein haut est à 9h05. Des coefficients de 61 sur cette fin de marée montante. Le vent est offshore établi est à est-sud-est. Il y a deux beauforts, des rafales à 3. Il y a 3 à 4 nœuds établis, des rafales à 6-7 nœuds. Le plan d'eau est propre, un peu fripé, mais c'est propre. Et on a une belle houle longue de 13 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest. En nette baisse par rapport à hier soir, il y a sur la plupart des séries 1m50. Voilà, long à venir, on les voit là. Et des fois, il y a un petit peu plus, il y a 1m80. Alors sur le large, il y a des vagues qui arrivent à dérouler. Il y a un peu d'eau, c'est un peu mou, mais on voit des vagues qui déroulent. Alors qu'au bord, c'est plus creux, ça casse souvent et c'est fermant. Donc option sur le large, sur un bon banc, en étant patient, en attendant les séries. Ou alors option au bord si vous connaissez un bon banc de marée haute. C'est propre, c'est toutes les conditions sont favorables, il faut juste trouver des vagues qui ouvrent. Il n'y a personne à l'eau, les surfeurs checkent les vagues et essayent de trouver un endroit. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui baisse, du vent offshore qui se maintient, la bouée arcachant est à la baisse. Elle est passée de 2,80 et 7 secondes cette nuit à 2,40 et 6 secondes maintenant. On attend à 13h 1m50 sur les plus grosses séries ou l'ouest à ouest nord-ouest 13 secondes de période vent est-sud-est 3-4 Beaufort et à 17h 1m30 ou l'ouest à ouest nord-ouest 12 secondes de période vent est-sud-est 3-4 Beaufort. Il va falloir trouver les endroits qui ouvrent. Prochain point à 9h. À 8h15, pardon, à tout à l'heure. Merci. Thank you.